galaxiens, j'espère que vous allez bien, tout comme moi, super jour, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Harry Potter, Welcome Mystery, et il me semble que ceci est l'épisode numéro 32. Donc voilà, alors j'ai fait tous les cours en même temps, voilà, pendant ce temps j'ai fait les cours. Moi ce que je vous propose c'est qu'on fasse l'intro et on commence. C'est parti. Et donc là, je retourne après quelques jours. Et là, je viens d'arriver. Et je vois que vous savez, le truc avec les dortoirs et tout. Je sais pas si vous... Moi, je crois que j'avais fait ça. Or, ça, c'est pas possible. J'ai de la connexion. Alors, le voleur des dortoirs a été appréhendé. C'était le niveleur depuis le début. Merci d'avoir aidé à ramener tous les objets disparus, dans les dortoirs. Attention cependant, ce ne sera sûrement pas le dernier effet magique. Ah, et je n'ai pas de récompense. Bon bah d'accord. Super. Merci professeur, vous m'avez beaucoup appris sur les sortilèges d'extension. Si seulement j'avais la certitude que c'est bien ce qui a été utilisé pour enfermer Béatrice. J'ai la sensation qu'il s'agit d'un sort ancien et sinistre. Comment puis-je l'aider ? Vous devez laisser vos enseignants et le ministère régler cette affaire. Mais nous, c'est pas notre habitude de faire ça, moi. Cela dit, j'ai appris au cours de 4 dernières années que vous n'étiez pas du genre à rester les bras croisés. Ah, ouais. Allez, parlez à Nick Cassis en tête. Si ce maléfice est aussi ancien que le présumé, il connaît peut-être son origine. Ah, je savais qu'on devait la faire, cette quête illimitée. La quête où on va peut-être se faire virer du collège Poudlard, mais qu'en fait, je spoil pas. Donc, voilà. Alors, je vous explique un petit truc. Oui, nouvelle aventure. On commence, allez. Vos amis ont lancé un concours de farce. Qui se hissera au rang le plus grand farceur de Poudlard? Terminez votre quête en plaisantin pour gagner un superbe chapeau de bouffon. Ok, bah on y va. Alors, ah oui, bah le club de duel, t'attends 5 minutes, hein. T'attends que j'ai plus d'énergie. Allez, au 3, allez. Donc, je vous explique, sur mon téléphone, j'ai un jeu qui va bientôt s'installer, qui est pour le moment, n'est pas encore disponible. Qui est un jeu Harry Potter. Alors, je sais pas trop à quoi il ressemble, j'ai juste fait ainsi quand même un peu, parce que j'ai vu les images, mais rien qu'à l'image du début. Ça m'a l'air d'être pas mal et tout. Bon, après, les images ne seront pas aussi belles que Harry Potter. Oh, monsieur, vous inquiétez pas, on y jouera quand même. Salut Vin, ça c'est toi. Et prends une bière au beurre. Merci. Je sais ce qu'ils attendent. Alors, à quoi tu penses? À pas grand chose, en fait. Tout douce, ça se fait pas. Oh, pardon, en fait. Non. Il n'est pas. Franchement, c'est pitoyable, donc. Qu'est-ce que. Non, merci. Elle a mis la poudre à rôter dans ta bière au beurre. Grand classique. Une farce simple, mais efficace. Tu appelles ça une farce? Il faudrait déjà que tu sois amusant. C'est pas amusant, c'est hilarant. Surtout si Vince qui le dit. J'arrive pas à le faire, moi. Je suis pas convaincue. Tu as trouvé cette blague amusante, Vince? Bah, attends. Pour le coup, c'était un peu dégueu. Je suis d'accord. Mais c'est ta faute, donc. Si tu crois que les farces sont meilleures que les miennes, tu te fous le doigt dans l'œil, tu dis.
Il n'a qu'un seul moyen de le savoir, avec un concours de force. Oh putain. Super idée! Ça me va! Moi aussi. Et Vince fera office de juge impartiel. Tant que tu me promets que tu ne me joueras plus aucun tour. D'accord! Que la meilleure gagne! Commençons par interroger les élèves ici au fond balai. Allez, 3 heures d'énergie, allez, pour le fun! Ah non, une heure. Ah bah, c'est toujours comme ça les étiquettes, hein. Donc voilà, même pas en 5 minutes, je l'ai fait sans chrono, même pas. Donc. Alors, qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris que la plupart des élèves s'accordent à dire que vos farces sont barrantes. C'est pas le genre d'avis qui plaide en ta faveur. Je pense que vous devez me montrer d'autres blagues pour trancher la question. Excellente idée. Allons à Zonko pour faire des provisions. Allez, 3 heures d'énergie. Je sens bien le truc arriver. Ouais, bah t'attends 2 secondes. Je veux juste voir si en quelle année Stockat elle est disponible. Ah non. Alors, si vous jouez au jeu et que vous n'êtes pas à la 5e année, normalement, 4. Farce. Ouais, voilà, c'est la 4e année. À mon avis, je pense que ça doit être vers toute la fin de la 4e année. Pendant, voilà, enfin, ça doit être. Je sais pas si vous voyez sur Instagram, mais maintenant je mets aussi le lien de l'Instagram d'Harry Potter World War Mystery en description parce qu'ils ont plein de trucs et à chaque fois c'est des petits spoils du truc, mais assez cool. Alors, où sont-ils? Ah, tiens là. Zonko est bondé aujourd'hui. Tout le monde doit être au courant. Pour votre concours et vos et veut vider les stocks avant que vous achetiez quoi que ce soit. Arrête un peu. En vrai, ils adorent qu'on leur joue des tours. Enfin, je crois. Dans tous les cas, il faut qu'on s'active. J'ai beaucoup d'articles sur ma liste d'achat. Ils ne savaient pas que vous aviez l'esprit de compétition. Sache que mon esprit de compétition est beaucoup plus développé que le sien. Alors, qu'est-ce qui va aider à faire des emplettes, mais c'est comme tu le sens. Je suis le juge. On ne peut pas me demander à choisir. À la guerre comme à la guerre. Tu vas faire des achats avec qui? À toi de voir. Oh, je dois rester impartial, moi. Je vais pas choisir entre les deux parce qu'après, il y en a qui vont me faire la gueule. En tant que juge impartial, je ne peux pas vous mêlez directement au concours. Vince a pas tort. On a choisi un bon juge. Ah ouais. Bon, d'accord. Fini de bavarder. C'est l'heure d'aller faire des courses. 3 heures. Je suis trop fort. Je connais tellement ce jeu par cœur. Par contre, là, c'est la dèche au niveau des diamants. Hein. Bon, ben ça, du coup, malheureusement... On la fera un autre moment, je pense, dans la prochaine vidéo. Tant pis, je ferai un petit truc spécial dans le dernier épisode. Dernièrement. C'était pas ça que je mettrais, mais ça, c'est pas bon. Bah, je vais attendre. Et on a combien de choses? Page numéro 2 sur 4. Oh, c'est jouable, ça peut faire une petite vidéo dans 5 minutes. De 25, hein, je dis bien de 25. De 25. Donc voilà, j'ai fini tout ça. Il nous reste 2 jours, je crois. Avez-vous fini vos achats? J'ai déjà pensé une blague imbattable et j'ai acheté absolument tous les savons sauteurs. Comme tu es prévisible, si c'est ta meilleure idée, tu as perdu l'avance. C'est à moi d'en décider. Qui est ta victime désignée donc? Je veux m'assurer de ne pas rater ça. Oh, crois-moi, aucun risque. Retrouve-moi au bureau de Rusa. Donc 3 jours et 2 heures. Ouais, c'est parti. De toute façon, on a les énergies à fond. Donc 5 minutes. Je trouve au bureau très tard. On y go. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici? Je t'avais dit que j'avais plus d'un tour dans mon sac. Mais je ne savais pas que faire tomber un savon sauteur dans
un seau d'eau aurait un tel effet. Qu'est-ce que Rizard va faire quand il reviendra? Nous coller à vie, rire, adopter une grenouille, nous coller à vie. On va être en retenue jusqu'à la fin de notre vie. On va passer notre vie entière à Poudlard? Mais Rizard sera tellement en colère qu'il trouvera un moyen de nous punir pour le restant de nos jours. Je me demandais ce qu'allait faire Rizard de manière hypothétique, mais Vince a peut-être raison. Il est temps de passer à l'étape suivante du plan. Qu'est-ce que c'est? Courez! Attends, où est Denis? Mon crapaud, il est là où tu l'as laissé, tu dis. Non, il était dans ma poche il y a un instant et il doit être sorti et s'être perdu au milieu des grenouilles. Denis! Chut! Rizard ou quelqu'un d'autre va nous entendre. Ne t'en fais pas, Tulip. On va trouver Denis. Vite, commencez à le chercher. Combien de temps? 3 heures? 1 heure. Ok, bah c'est jouable, non? Et pendant que je suis en train de faire les énergies, regardez, il y a un bug total. Avant, ça a été une barque avancée, mais plus maintenant. Avant, ça se remplissait, et ben plus maintenant. Et récupérer. Regarde, Tulip, je l'ai trouvé. Oh, merci! Je vais devoir disputer Denis. Il ne faut pas qu'il sorte comme ça. Plus tard, Tulip. Il faut qu'on sorte d'ici, surtout toi. Pourquoi surtout Tulip? Parce qu'elle va devoir se mettre au travail immédiatement si elle veut faire mieux que ma super farce. Je vais faire mieux, tu verras. Ce sera à moi d'en juger maintenant. Partons et séparons pour éviter tout soupçon. Je vais aller dans la cour. Ok, bah on va dans la cour. Alors, la cour, c'est là. Où est Rita? Voilà. Ça alors? Si ce n'est pas Pig, c'est justement où que je cherchais. Peter Fritter, vous me cherchiez? Pourquoi? La Gazette du Sorcier a besoin d'un nouveau gros-titre et ce sera vous. Depuis que l'un d'eux, Gaming, sont arrivés à Poudlard, les malédictions à Brive sont en hausse. Vous verrez bien vite que Jacob et moi n'avons aucun lien avec les malédictions de Poudlard. Qui a le droit? Je devrais trouver les informations verdiques. Mais vous êtes journaliste? Vous vous basez sur les faits? Mes lectures aiment quand les faits preuve de créativité de mes articles. Votre créativité mensongère pourrait détruire ma réputation ou même me faire expulser. Mais ce n'est pas vraiment mon problème. Pas vrai, très cher? Oh non. Néanmoins, je vous donne l'occasion de témoigner officiellement si on ne commençait. Vachement gentil, toi. Hein. Bon, sur ce, moi, j'allais faire le club des duels. Comme je vous l'avais promis. Alors. Ah, voilà. Bon. Ok. Normalement, ça devrait être facile. Alors... Bien. Je vais lui jeter... Ah, stupéfix. Limacium Hercuto de Pulso. Ok. De Pulso, c'est vraiment le sort qui marche vraiment bien. 17. Ok. Je pense que maintenant on va faire la défensive. Elle fait comme ça, donc là je vais faire la défensive pour que je fasse la surmoiserie. Ok, ah ça y est, j'ai compris son jeu. Moi je peux causer un événement moyen. Je vais essayer.
Oh, j'ai jamais compris ce dessin. Ok, c'est vraiment nul en fait. Ok. Ah oh bah je là-bas et j'ai littéralement. Oh bah je vais faire un sort de quatrième année quand même. Troisième année. Et je l'ai battu. Voilà, on va récupérer tout ça. Vous avez gagné. Récupéré. Je suis trop fort. C'est de l'arnaque. Au bout des tickets, faut qu'on paye après. L'arnaque. Alors, là, on est en train de faire la quatrième chose. Donc là, c'est Peter, Skitter. Et après, c'est encore un autre truc. Bon, bah, je me prépare à faire la miniature du premier, du coup. L'épisode ne fut pas très long. Bon, allez, je vous retrouve tout de suite avec les énergies faites. Souhaitons un joyeux anniversaire pour que nous trouvons pour l'année entière beaucoup d'amour et une santé. Donc voilà, n'hésite pas à liker, partager, à t'abonner. Et n'oublie pas qu'on s'en fout de la Team Galaxy.